Alors on va l'envoyer dans Photoshop. Comme ça, vous allez pouvoir manipuler un peu la bestiole dans Photoshop. Bon, mais on a deux chats sur le plan de travail. C'est ennuyeux, ça. Il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul. Alors, voyons un peu si on recadre le chat qui nous intéresse avec l'outil plan de travail. Voilà. Alors, je ne vais pas faire une exportation au format Photoshop ici, parce que je ne veux pas générer des pixels. L'intérêt, ce serait si j'ai plein de calques avec plein d'éléments qui sont en train de créer ce chat. Mais ce n'est pas le cas ici, hein. Il est sur un seul calque, ce chat. Donc ça n'a pas d'intérêt d'exporter au format Photoshop. On l'a enregistré au format PDF ou au format Illustrator. On va maintenant aller dans Photoshop pour voir ce que ça donne. Donc vous lancez Photoshop en gardant Illustrator ouvert, bien sûr.